ouverture de discussion très pragmatique. On va mettre les mains dans le cambouis des outils qui peuvent justement générer cette confiance envers les associations, des sites sécurisés, des réseaux sociaux, des applications, des usages tech, qui sont autant de portes d'entrée pour les associations pour sensibiliser le public aux causes qu'elles défendent, des leviers d'engagement également et des moyens de collecte. Mieux, ils sont même des nouvelles garanties de transparence. Mais jusqu'à quel point et surtout, comment est-ce qu'on replace la notion de confiance dans tout ça? On en parle avec nos trois nouveaux invités cet après-midi, Fabrice Eppelboin. Fabrice, vous êtes spécialiste des médias sociaux et de la cybersécurité, et pas que. Bonjour à vous. Bonjour. Sébastien Lyon, vous êtes le directeur général de l'UNICEF France. Bonjour. Et Antoine Vaccaro, le président de Cerfi. Bonjour. Alors messieurs, je vous propose qu'on fasse un premier tour de panel parce qu'on va essayer de mettre des mots et de mettre justement des définitions derrière ces nouveaux outils. Quand on parle de technologie de la transparence, on parle de quoi exactement, Fabrice? On parle d'outils tech, on parle d'usage, on parle d'empowerment, pour faire du très mauvais franglais, des donateurs. On parle d'un accès plus direct aussi entre bénéficiaires et donateurs. Alors, en technologie, on parle d'une tendance qui est lourde et qui est ancienne, qui peut trouver ses origines typiquement dans le logiciel libre, qui consiste à avoir accès au code, qui a donné quelque chose de bien plus connu du grand public, qui s'appelle l'open source, qui se contente de donner d'accès au code, mais en l'occurrence, c'est un gage de transparence, ça permet de voir ce qui est fait avec vos données, ça permet de détecter d'éventuels problèmes de sécurité au sein du code que vous faites tourner pour manipuler vos données, et c'est un socle fondamental de la confiance dans le code. À partir de là, on a vu apparaître une quantité faramineuse de technologies qui, justement, utilisent la transparence comme un gage de confiance et qui essayent de donner une réponse à un monde dans lequel la confiance est absolument effondrée, à tous les niveaux, que ce soit la confiance envers les institutions, les politiques, ou malheureusement, maintenant, le corps scientifique. Donc, on va clairement dans un monde dans lequel la confiance aura plus ou moins totalement disparu, et il va falloir que les technologies répondent à ce besoin de confiance pour établir des échanges. C'est vraiment la base de la base de la société humaine. Et puis, last but not least, on a cette fameuse technologie qui est la blockchain, qui elle n'est absolument pas une technologie de transparence, même si elle est transparente, qui est une technologie qui est pensée pour fonctionner dans un milieu sans confiance. Et c'est vraiment quelque chose de totalement différent de la transparence telle qu'on l'entend jusqu'ici dans le monde des technologies. Sauf que si vous me permettez, le paradoxe, c'est que, et vous le savez mieux que personne, on n'est pas adopteur d'une technologie, on adopte pas une technologie à laquelle on n'a pas confiance au départ. Ah si, regardez Facebook. Aujourd'hui, Facebook est probablement l'une des sociétés qui suscite le plus de méfiance sur la planète, et pourtant c'est très très largement adopté. Le fait que Facebook soit quelque chose de dangereux pour nos démocraties, dangereux pour cette espèce d'addiction qu'on développe vis-à-vis d'interfaces qui ont été conçues pour ça, la captologie, tout ça n'empêche pas qu'il y a une adoption massive et de plus en plus massive des technologies comme Facebook et de tout un tas d'autres technologies sur lesquelles, objectivement, il n'y a absolument aucune raison d'avoir la moindre confiance. Et on y reviendra évidemment dans un instant. Sébastien, du côté de l'UNICEF France en particulier, quand on parle de technologie, on parle de quoi pour vous ? On parle de beaucoup de choses. On parle de sites internet, on parle d'applis, on parle de réseaux sociaux, on parle de plein de choses. On fait peut-être l'amalgame avec le digital aussi qu'on utilise souvent, et le fait d'avoir une relation plus à distance et à travers un écran avec nos donateurs, avec les gens qui nous soutiennent, avec nos bénévoles aussi, de plus en plus. Donc on parle un petit peu de tout ça. Moi, peut-être pour rebondir sur la thématique de la confiance, je dirais que c'est vrai qu'on arrive dans un moment un peu paradoxal pour nous, acteurs associatifs ou acteurs de la société civile, c'est que on a toujours voulu être transparent et donner le maximum de transparence et de confiance à nos donateurs. Et je crois que toutes les associations font des efforts incroyables pour arriver là-dessus. Et puis paradoxalement, on voit les baromètres de la confiance qui voient que la confiance des donateurs, du grand public s'effondre sur tous les acteurs, y compris les associations. Et assez paradoxalement, les pages, par exemple, de notre site internet dans lequel on donne de l'information sur nos comptes, sur l'utilisation des fonds, etc., sont traditionnellement les pages les moins consultées de notre site. Donc on arrive dans cette espèce de paradoxe où la confiance s'écroule, mais où les moyens qu'on met à disposition de nos donateurs pour regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur du moteur et comment on utilise les dons, quels projets on fait, comment on avance sur des grandes réalisations, c'est pas ça qui intéresse. Et moi, la question qu'on peut se poser peut-être aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que la technologie peut nous aider à aller un pas plus loin en disant « Ok, on pense tous qu'on fait du bon travail, on est tous fiers de le montrer d'une certaine manière, mais comment est-ce qu'on fait pour rendre ça plus facilement disponible au grand public et remonter cette confiance quand on voit qu'elle est en train
de fuir le public vis-à-vis de notre travail. Oui, on va essayer d'interroger aussi cette question-là et cette question des outils très pragmatiques dans un instant. Antoine, d'abord, encore une fois avec vous, cette technologie et ce lien de confiance, ça sert quoi en matière de philanthropie? Ça sert aussi à redonner le pouvoir finalement aux donateurs dans cette relation bénéficiaire-donateur? Alors, il faut simplement d'abord signaler un changement de mode de relation entre les donateurs et les causes qui a été bouleversé par l'arrivée des outils dont on vient de parler. Précédemment, une association, une fondation parlait à des donateurs de façon assez univoque, en fait. J'écrivais, j'appelais, j'avais des échanges éventuellement dans le cadre de rencontres dans la rue, dans le street marketing. Là, on est dans un système beaucoup plus ouvert où tout le monde se parle. On est parti dans un système plutôt de conversation que de communication. Les gens parlent à leur cause leur répondent, mais les gens parlent entre eux de ce que font ces organisations. Et cette espèce d'ouverture, de cette espèce d'agora ouverte à tout vent, le village planétaire qui existe maintenant de façon avérée, fait que dans ce brouhaha, tout le monde en fait exprime à peu près tout ce qui peut être exprimé favorablement ou défavorablement par rapport à ces sujets d'intérêt général. Et dans cet échange, on voit effectivement que la question à qui je dois faire confiance par rapport aux problématiques qui me sont posées, est-ce que je dois simplement écouter l'émetteur du message qui est l'association ou la fondation, ou dois-je écouter en fait mes amis, mon réseau, l'ensemble de cette agora qui exprime finalement des choses sur ces territoires-là. Et le constat que je fais malgré tout, c'est que c'est probablement le monde associatif qui garde encore un peu de crédibilité ou d'autorité et de confiance dans un système qui est effectivement complètement bouleversé, qui va à volo quand même. Oui, on le voyait ce matin notamment avec Daniel Bois pour le CVPOF qui rappelait ce baromètre de la confiance avec des associations plutôt bien placées en matière de bénéficiaires de confiance. Mais j'en profite justement pour pouvoir partir sur ce deuxième partie de débat, parce qu'aujourd'hui, dans cette idée même de conversation et de discussion sur les réseaux sociaux notamment, on est forcément à l'ère des fake news, des contre-vérités et des post-vérités, et on ne sait même plus comment les conjuguer au bout d'un moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ère du factuel n'est plus la règle. Un fait n'est plus cru parce que c'est un simple fait. Et ça nous pose de véritables soucis côté médias, côté politique, côté institutions, côté associations aussi. Comment faire justement pour que les associations puissent faire entendre leur voix dans cette cacophonie? Et Sébastien, vous le rappeliez, quand on donne des outils clairs pour pouvoir les vérifier, ces faits, cette transparence, cette traçabilité des dons et de répartition des dons en faveur des causes, eh bien, on ne consulte tout simplement pas l'info. Qui a envie de démarrer? Je laisse la question en suspens pour vous, messieurs. Je peux le faire. Fabrice. Il faudrait peut-être commencer par rappeler que ça n'a rien de nouveau et que ça a toujours été ainsi et qu'on est plus face à une disruption de la barrière à l'entrée pour produire de la fake news. La guerre du Vietnam a été déclenchée par l'attaque du golfe du Tonkin qui n'a jamais eu lieu, qui était une fake news, au même titre que les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Il y a toujours eu des fake news, c'est monnaie courante et ça s'est toujours passé comme ça. Et la plupart des guerres ont été déclenchées à partir de fake news. Ce qui est nouveau, c'est que vous et moi pouvons jouer à ce jeu-là et que n'importe quel État peut aller interférer dans les affaires courantes de l'État voisin. Ça, c'est complètement nouveau. Donc tout d'un coup, les anciens détenteurs du privilège de la fake news s'offusquent en pointant du doigt des gens qui concrètement font rigoureusement la même chose qu'eux. Et du coup, le grand public, qui évidemment sait tout ça, les politiques étant les seuls en général à penser que les grands publics n'ont jamais entendu parler de l'attaque du golfe du Tonkin, se désignent les méchants, se drapent dans les habits du gentil et se ridiculisent et font d'autant plus s'effondrer la confiance envers les institutions et les politiques. Donc on a besoin d'abord d'un exercice de vérité, qui tarde, d'un exercice de vérité qui va de toute façon remettre à zéro les institutions et les politiques, parce que beaucoup d'entre eux sont appelés juste à disparaître du fait qu'ils ne sont plus en état de recevoir la confiance du public. Et puis à partir de là, on a besoin d'avoir quelque part un dialogue multipartite autour de ce qu'est la vérité, de ce qu'est un fait, de la façon dont on peut l'interpréter. Parce que là encore, pour l'instant, ce qui a été mis en place, c'est, on va dire, des para-institutions, Check News, AFP Factuel ou des choses comme ça, qui viennent dire au bas peuple ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Or, il est extrêmement facile de repérer dans ces mêmes vérificateurs de faits des gens qui ont eux-mêmes diffusé des fake news. On voit l'affaire de l'aigle du LOL qui est vraiment de la fake news pure et dure, instrumentalisée au service d'une cause qui, elle, est noble, mais totalement dévoyée.
et qui a totalement fait s'effondrer toute espèce de confiance qu'on puisse avoir dans des vérificateurs de faits, en tout cas en France. Et il y a des affaires similaires partout sur Terre. Donc il y a un vrai problème. L'arrivée des fake news n'est qu'uniquement un affaissement des barrières à l'entrée. On est dans ce monde, et c'est parti pour durer. Le fait de censurer, ce qui est l'approche française, et c'est une approche politique qui est traditionnelle en France, hein, ne peut faire qu'amplifier cet effet-là, faire basculer tout ça vers ce qu'on appelle le dark social, c'est-à-dire très concrètement vos flux WhatsApp ou Telegram dans lesquels vous partagez des informations avec un petit groupe. C'est comme ça que Bolsonaro a gagné ses élections. Et donc on est face à un phénomène extrêmement complexe que personne aujourd'hui n'est en mesure d'exposer avec sincérité et vérité. C'est la première chose à faire, et tant qu'on ne sera pas passé par cette étape-là, on ne pourra pas résoudre un problème qui, très concrètement, est en train de saper tous les fondamentaux de la démocratie. Sébastien, Antoine, on va quand même essayer d'apporter une réponse à cette question-là aussi. Comment est-ce que vous pouvez vous emparer justement de ce fait-là? Encore une fois, je mets un fait avec un grand F pour le coup. J'essaie de lui redonner ses lettres de noblesse. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire entendre sa voix quand on essaie de se trouver un chemin, de se frayer un chemin dans cette ère-là? D'abord, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. En fait, je pense que le corps social vient de se découvrir un nouvel organe, comme on découvre de nouveaux organes dans le corps anatomique, hein. Un nouvel organe qui est juste monstrueux, quelque part. Il a sa propre logique, il se nourrit de ses propres éléments. C'est un système, en fait, qui a une neurologie, qui a une véritable capacité de se reproduire, et nous le nourrissons, finalement, comme on peut nourrir un monstre assez, assez redoutable. Donc je pense qu'on est face à quelque chose, effectivement, d'extrêmement dangereux, qui peut miner la cohésion sociale, si jamais elle a existé. Et je pense que là, je crois fondamentalement que ce monde associatif qui s'adresse en fait à des sujets, qui adresse des sujets de cette importance, je vais pas dire qu'on va leur donner, qu'on va donner à ce monde associatif le bon Dieu sans confession, mais évidemment qu'on a là en fait une force de à la fois de mobilisation, de communication, d'agitation, plutôt de sujets positifs. Moi, je ne prends qu'un exemple qui me frappe beaucoup, c'est actuellement la mobilisation des adolescents au sujet des questions liées au climat. On a des jeunes qui, grâce à ces outils, donc ces outils parfois monstrueux, finalement utilisent le meilleur de ces moyens pour faire monter des causes et des sujets qui sont des sujets d'importance pour eux, bien sûr, mais pour l'ensemble de l'humanité. Moi, je suis frappé de gamins de 14-15, même 12-13-14 ans, qui sont capables aujourd'hui de mobiliser l'opinion, et donc peut-être pour le meilleur, j'espère pas pour le pire, sur ces sujets. Et ce qui est quelque part peut-être le seul élément de rassurance ou de confiance qu'on peut espérer en fait partager grâce à ces outils. Mais on est évidemment face à quelque chose d'assez problématique et monstrueux. Un outil d'espérance, mais aussi de génération finalement. Est-ce qu'on peut aller jusque-là, Sébastien? Je pense qu'effectivement, il y a des usages qui évoluer et comme le rappelait Fabrice, les fake news c'est pas neuf. Ce qui est neuf c'est la diffusion rapide et la facilité de diffusion. Mais pour voir le verre un peu à moitié plein aussi, la capacité qu'ont les gens, la société, les jeunes, les associations à aller dans l'autre sens, c'est-à-dire à mobiliser des énergies positives, à mobiliser autour de valeurs positives, etc., elle est aussi exponentielle. Et on voit, et Antoine le rappelait, dans le milieu associatif en général, moi j'ai plein d'exemples à l'UNICEF si vous voulez, mais de capacité à mobiliser beaucoup de monde sur des sujets très importants en un temps record, parce qu'on a à notre disposition ces outils qui accélèrent. Moi je pense que ce qu'on essaye de promouvoir, et je pense que beaucoup d'associations sont sur cette ligne-là, c'est qu'on a notre rôle à jouer dans cette production de faits, j'ai envie de dire. Et beaucoup d'associations aujourd'hui mettent vraiment l'accent sur produire des données, produire des faits, produire des rapports avec une méthodologie propre et irréprochable, et être capable d'apporter des faits très concrets, d'utiliser ces mêmes réseaux sociaux pour les diffuser, et aller très rapidement intervenir dans un débat sur tel ou tel sujet en établissant, alors je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas établissant des faits
dont on peut penser que venant d'émetteurs comme nous, ils sont peut-être un poil plus audibles que venant d'ailleurs. Ce qui est intéressant parce qu'on retombe bien, on retombe bien sur la question plutôt de la crédibilité de l'émetteur et aussi de sa légitimité. Est-ce que, et j'en viens aussi à une question dont on parlait tout à l'heure d'un réseau social de méfiance ou de défiance qui est Facebook, quand on regarde quand même ce que Facebook a su générer en termes de dons depuis le lancement de son feature Cause, qui permet justement de donner pour des ONG, pour des collègues de dons. Alors, on va être un petit peu sur le même mécanisme finalement les cagnottes en ligne, sauf que ça passe par l'intermédiation de Facebook, et c'est ce qui fait nous poser beaucoup de questions aussi aujourd'hui. Mais depuis 2015, depuis donc le lancement de cette fonctionnalité, en 5 ans, les membres de Facebook ont levé près de 3 milliards de dollars, et Facebook précise, c'est sympa de leur part, qu'ils ne prennent pas de commission sur les collectes destinées aux ONG. Deux questions en une. Est-ce que d'abord, on se dit chouette, dans un premier temps, c'est un nouveau levier de don, c'est un nouveau levier d'action et en tant qu'association, on l'accepte tel quel? Ou on se dit, mais dans un deuxième temps, on va vers une plateformisation des dons? Vous allez surtout vendre votre âme au diable. J'en étais certaine. Facebook, aujourd'hui, c'est de notoriété publique. Hein. On se connaît depuis un certain temps et ça fait beaucoup de temps que je parle, mais aujourd'hui, c'est de notoriété publique. Facebook est un fantastique outil de manipulation d'opinion publique, qui est utilisé non seulement par Facebook, mais par tout un tas d'États, avec plus ou moins l'accord de Facebook. Les investigations en cours vont, je vous le garantis, vous surprendre. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Facebook a tenté de lancer sa propre monnaie, qui sera finalement lancée en 2021, qui sera, bon, pour revenir sur les blockchains, une stablecoin indexée sur le dollar. Mais très concrètement, vous avez affaire, et ce n'est pas qu'avec Facebook, hein, c'est avec une bonne partie des GAFAM, à des acteurs qui ont déjà un quasi-monopole dans le domaine de la technologie, qui s'attaquent au domaine de la finance, pour aller faire, bah, demain, Microsoft, avec les données de santé qu'on lui a confiées à l'occasion du Health Data Hub, des produits d'assurance santé qui seront basés sur l'analyse de nos données de santé, de nos radios, nos coloscopies, whatever, de façon à vous donner une prime d'assurance à vous, qui ne présentez pas un risque statistique de cancer, et une toute autre prime d'assurance à vous, voire pas du tout, parce que, très concrètement, on aura détecté que, malheureusement, je suis navré de vous l'annoncer, mais l'intelligence artificielle vous diagnostique un cancer pendant une dizaine d'années, donc il est hors de question de vous assurer. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment même. C'est le cas de tous les acteurs des GAFAM, que ce soit Google, Facebook ou Microsoft et très probablement Amazon. Ces acteurs à qui nous donnent des services gratuits de façon si généreuse, derrière récupèrent des données et à partir de ces données, vont construire le monde de la finance de demain. Parce que ça ne vous aura pas échappé que le monde de la finance d'aujourd'hui donne des signes de fatigue. Ah oui. Et très concrètement, ils sont en train de les remplacer. Mais ça, ce que vous êtes en train d'établir là, c'est véritablement la, encore une fois, j'utilise l'expression, la plateformisation, mais plutôt l'OPA tout à fait inamicale des plateformes sur le régalien. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment une OPA sur le régalien. Google est en train de sortir des diplômes du secondaire, du supérieur, qui seront des diplômes format court, en un an et demi, qui donneront directement accès à l'emploi, ce que l'éducation supérieure n'a jamais été foutue de faire en France, mais pas qu'en France. Donc très concrètement, on voit que face à l'effondrement du système éducatif, et là encore, il n'y a pas qu'en France que ça s'effondre, on a des GAFAM qui viennent apporter des solutions très concrètes et très efficaces. Face à l'effondrement du système financier, on a ces mêmes GAFAM qui viennent apporter des solutions très concrètes et vraisemblablement très efficaces également. Et on a petit à petit quelque chose que certains de mes étudiants appellent le corpus state, qui va remplacer le régalien. Et ça va arriver beaucoup plus vite qu'on imagine, notamment du fait de cette crise Covid, qui va accélérer l'effondrement de tout un tas de choses. On y reviendra dans un instant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir le son de cloche de Sébastien et d'Antoine côté association. Encore une fois, est-ce que dans un premier temps, on se dit chouette, un nouveau levier d'action, un nouveau levier de collecte, et on ne peut pas passer à côté parce qu'il faut qu'on s'adresse aussi à des publics extrêmement différents, donc il faut aller les chercher où qu'ils se trouvent. J'allais faire un acronyme technologique en disant c'est du don Atawad, anytime, anywhere et on any device, si je résume. Et est-ce que la seconde pensée, c'est de se dire, oui, mais attention, là, je suis en train, comme le disait Fabrice, de pactiser avec le diable. On est un peu ambivalent quand même sur cette question, Sébastien. Je suis d'accord qu'on est complètement ambivalent. C'est vrai que nous, en tant qu'acteurs associatifs, notre objectif, c'est de collecter un maximum de dons et de s'inscrire dans les usages du public. Donc, moi, je vais peut-être dézoomer un tout petit peu du débat idéologique pour dire, si effectivement, on peut trouver des donateurs sur Facebook,
ben on serait bête de s'en priver. Et pour autant, c'est vrai qu'on est aussi conscient du fait que c'est un outil qui génère toute une série de problématiques, à la fois d'hégémonisme, de véhicules, d'informations pas vérifiées, etc. Mais moi, je suis vraiment convaincu que des acteurs comme nous, on doit s'emparer aussi de ces outils, être présent sur ces outils-là, pour diffuser pas des fake news, mais des vraies news, pour aller mobiliser des gens sur autre chose que des thématiques de haine ou de violence, mais sur des thématiques de mobilisation populaire, etc., et de mobilisation pour des causes. Et alors, sur la question du don via Facebook, moi, je dirais que c'est presque un faux débat, d'une certaine manière, tant ça représente une toute petite partie de ce qu'est aujourd'hui la collecte de fonds pour les associations. Nous, on préfère avoir un contact direct avec nos donateurs, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que plus on va pouvoir aller multiplier les points de visibilité, les points de possibilité de faire des dons, mieux nos causes vont se porter. Ça, c'est un fait certain pour le coup. Antoine, Marie-Claire Baguet, philanthrope. En fait, d'évidence, toute la collecte passera par le web. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a encore du courrier, du téléphone, du strict, mais je pense qu'immanquablement, comme tellement d'autres activités, tous les dons passeront par ce canal-là, que ce soit petit, grand, voire même des testaments demain. Le problème, c'est qui collecte sur ces plateformes ou sur ces réseaux, et surtout qui, entre guillemets, va vérifier qu'on n'est pas dans quelque chose qui crée des fuites de financement vers des causes qui ne sont juste pas admissibles à l'intérêt général. Aujourd'hui, Facebook voit passer des pubs, moi je vois passer des pubs sur cette plateforme, qui sont totalement fausses. On utilise l'image de vedettes, de personnalités sur des publicités qui n'ont rien à voir avec ces personnes. J'ai très récemment des campagnes sur un complément alimentaire proposé par un très grand présentateur d'émissions de santé qui n'avait rien à voir avec ce produit. Avant que Facebook ait pu réagir et arrêter ce type de choses, je ne sais pas combien de millions d'euros sont passés à l'AS. Donc j'imagine qu'il y aura le même type de problème, et ma crainte, c'est l'énorme scandale qui arrivera immanquablement de toutes ces collectes peer-to-peer, cagnottes ouvertes à droite, à gauche, etc., où finalement il n'y a aucune stabilité des questions de réglementation, et elles sont en plus transfrontalières. Je prends l'exemple de collectes qui sont organisées par un individu qui reçoit X centaines de dons, il va délivrer ses fonds à une cause, mais il va s'attacher le reçu fiscal à son propre nom. Donc on est quand même dans quelque chose qui va devenir de plus en plus un Far West. Donc la question, c'est comment établir un peu de stabilité et de contrôle. Alors typiquement, Facebook, je ne sais pas, aujourd'hui les 3,8 milliards d'euros qui ont été collectés, comment tout ça a été contrôlé et validé. J'espère que c'est fait. Si ça n'est pas fait, je pense que là, on va attaquer encore plus violemment la question de la confiance des donateurs. Je sens que l'arme de la régulation va poindre bientôt sur ce plateau. Il y a peut-être justement une technologie qui est quasiment autorégulée, si j'ose dire, qui pourrait apporter une réponse. Fabrice, vous l'avez mentionné en introduction, c'est évidemment la blockchain. On va essayer de détailler un petit peu ensemble pour gratter un petit peu plus loin que la chaîne de blocs et comprendre à quel point elle peut justement apporter des réponses. Alors, sur la transparence ou pas, si on part du postulat que l'ère de la transparence ou l'ère de la confiance est déjà disparue. Mais il y a aussi une véritable question de traçabilité, de sécurisation surtout des données et des transactions. On va d'abord regarder ensemble, notamment avec vous Sébastien, les utilisations qu'on peut en faire, parce que UNICEF a été un des pionniers en matière de blockchain. Vous avez d'abord mis en place un CryptoFund depuis 2 ans. Alors ça, c'est pour recevoir des fonds en crypto-monnaie et quelles que soient les crypto-monnaies, si je comprends bien. Et puis il y a ensuite vraiment une courbe d'expérience sur la transaction en blockchain, sur le don blockchainisé. Absolument, oui. On a lancé ça, comme je disais tout à l'heure. Notre objectif, c'est de multiplier les points d'interaction avec des potentiels donateurs qui peuvent se trouver à des endroits différents et avec des approches différentes de la générosité ou de l'utilisation simplement de leur argent. Et c'est vrai qu'en essayant comme ça un certain nombre de choses un peu nouvelles, un peu différentes, on a été amené à lancer des collectes de fonds en crypto. On a collecté tout d'abord des bitcoins et des Ethereum. Alors la connexion avec la blockchain, c'est que ces devises, ces crypto-monnaies sont hébergées sur des blockchains. Donc c'est vrai qu'il y a ce système de visibilité, de transparence sur l'ensemble des transactions. Donc nous, par exemple, on a un wallet, on appelle ça comme ça, un portefeuille électronique en Ethereum, sur lequel vous pouvez vous connecter et voir l'ensemble des transactions entrantes et sortantes que l'UNICEF France fait sur cette devise.
Donc on a commencé à collecter quelques petits morceaux par ici de Bitcoin, d'Ethereum, etc. Et on a lancé effectivement ce crypto fund avec l'idée de se dire que récupérer des crypto-monnaies mais les convertir tout de suite en euros, d'une certaine manière, ce n'est pas très attractif pour ces porteurs de crypto. Puis ça brise cette chaîne de transparence qu'on a envie de tester avec ce nouvel usage. Et donc, on a ce crypto fund où l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de dire on collecte des crypto-monnaies, on les stocke en crypto-monnaies et on les utilise en sortie en crypto-monnaies. Et donc, on a un fonds pour l'innovation à l'UNICEF qui existe depuis déjà très longtemps, hein, qui vise à travailler avec des startups qui développent des technologies open source basées autour de l'utilisation des données pour mieux faire nos programmes en tant qu'UNICEF, hein, parce qu'on intervient, on est un acteur de santé publique, par exemple. Donc, l'utilisation, la mise à disposition, la traçabilité, la non-falsification de données de santé, par exemple, c'est un enjeu très important pour nous. On mène des campagnes de vaccination à très grande échelle partout dans le monde. Donc, pour nous, savoir qui a été vacciné, en quand, où et quand est-ce qu'il faut faire le rappel, pour nous, c'est clé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'intéresse à la blockchain comme une technologie qui pourrait nous permettre d'avoir cet accès aux données partout dans le monde et de manière plus sécurisée. Donc, on finance aujourd'hui, avec les dons qu'on collecte en crypto-monnaie, des startups qui nous proposent des technologies qui vont dans ce sens-là, avec quelques principes de base très clairs pour nous. Mm-hmm. Évidemment, on regarde de très très près les startups avec lesquelles on travaille, on les audite avant, et même parfois, elles trouvent qu'on les audite un peu trop d'ailleurs, mais bon, c'est le jeu, hein. Nous, on a envie d'être sûr qu'on travaille avec des gens qui respectent un certain cahier des charges, et puis aussi le fait que ce soit des technologies open source, parce qu'en tant qu'UNICEF, on estime que c'est important que les technologies qu'on développe soient accessibles au plus grand nombre, à nous, UNICEF, pour nos programmes, et à d'autres associations, et pourquoi pas demain, des gouvernements qui voudraient mettre en place la traçabilité du vaccin renforcé sur une technologie blockchain, par exemple. Oui, absolument, parce qu'il y a la partie, évidemment, levée de fonds en crypto, mais il y a aussi, et levée de dons, si je veux dire, en crypto, et puis il y a la partie aussi d'outils très précieux pour les ONG que vous êtes, pour pouvoir, comme vous le rappeliez, soit avoir un registre, établir un registre de vaccination pour des enfants, ou avoir accès à des données de santé sécurisées, là aussi. Question toute bête, ça représente combien exactement levée de fonds, le fonds crypto ? Ça ne représente pas beaucoup. L'équivalent, voilà, c'était vraiment ma question. L'équivalent, non, c'est un projet d'innovation, donc oui. on essaye. C'est de la R&D. C'est de la R&D et c'est aussi aller regarder pour des gens qui sont aujourd'hui des porteurs de crypto-monnaie, leur proposer une utilisation de leur crypto-monnaie qui soit vertueuse d'une certaine manière. Donc on a des retours assez positifs, mais des collectes de fonds assez limitées pour l'instant. Pour vous dire depuis le début, pour vous donner un ordre de grandeur, si on doit le convertir en euros, on est de l'ordre du demi-million d'euros à peu près, sur les 2 ans et demi ou 3 ans de fonctionnement. Mais ça permet d'acquérir une courbe d'expérience. C'est prometteur, mais ça nous permet de commencer à tester une technologie, un usage, de donner vraiment une traçabilité de bout en bout du don qu'on n'a jamais vraiment été capable. On en parlera peut-être tout à l'heure, ça c'est un point important. Hein. Il y a de plus en plus de technologies qui permettent de tracer toutes sortes de choses. Le café que vous achetez, c'est Starbucks. Le poulet que vous achetez dans telle ou telle grande surface. Et peut-être que cette technologie de traçabilité du don de bout en bout, qui n'existe pas vraiment encore dans notre secteur, ça pourrait devenir le standard. Et qui peut être aussi une ressource en matière de traçabilité de logistique pour acheminer des produits pour une campagne à l'étranger ou ce type de choses-là. Antoine, je vous vois beaucoup réagir sur cette question justement de la traçabilité même grâce à la blockchain. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez de très près, qui vous intéresse chez Cerfi ? Je crois que tout a été dit là, en fait. La possibilité de... Drop the mic. Moi, donateur, je donne X euros pour vacciner des enfants ou pour nourrir des enfants. Je dois, grâce à la blockchain, pouvoir m'assurer que les fonds n'iront pas à d'autres fonds. Effectivement, si cette monnaie reste cryptée jusqu'au bout, si elle n'est pas transformée en euros, on peut être garanti éventuellement qu'à la fin, au bout de chaîne, les fonds iront à la destination finale. Donc moi, je pense que c'est un système qui a un très grand avenir, surtout en cette question du suivi de l'affectation des fonds, qui est quand même un sujet très important pour le donateur en termes de confiance. Fabrice, je vous donne la parole dans un instant. On va d'abord continuer sur les exemples justement de déploiement ou de façon dont on peut justement utiliser la blockchain. Comment est-elle utilisée par les ONG à l'étranger ? On va tout de suite rejoindre le correspondant de Give Safely aux États-Unis. Il s'appelle Ezra Vasquez et il va justement nous présenter cette utilisation très pragmatique. Hello, my name is Ezra Vasquez D'Amico. I'm the manager of GiveSafely.io, a program of the BBB Wise Giving Alliance. And I'll be talking to you about
our platform and using blockchain to attract, protect, engage, and reward donors. I'd like to thank our colleagues at Ludon and Confiance for inviting us to share this today. GiveSafely is a program of the BVB Wise Giving Alliance. Similar to Ludon and Confiance, we work directly with both donors and charities. We accredit our United States national charities against the 20 BBB standards for charity accountability. We build the relationships with charities to do this, and we provide them with resources around accountability and transparency. And then we publish all of our reports online on give.org for donors to look at. So why did we start this project and why do we use blockchain? Well, donors want to feel safe and respected. There's been a lot of news in the media about hacks and data breaches. There was a very important donor contact management platform, Blackbaud, that was hacked in March of this year, and there are still repercussions for charities' reputations and then for donors to feel safe as well. Donors want to trust. Here in the United States, there's a gap between how much donors want to trust a charity and how much they actually do. Donors reported that they qualify trusting a charity as essential, 64%, yet only 17 highly trust charities. And they also indicated, though, that third-party evaluators like us and Ludon and Confiance, they provide a lot of that trust to fill that gap. Younger donors want to be approached. In our survey, we also found that on average, 12% of people said they wanted to be approached more. But for millennials and Gen Z, it was about twice as much. So they're very willing to be approached, but you have to approach them the right way. And that said, you know, we need new ways to engage donors. Here in the United States, there's been a decrease in individual giving and small donors. A lot of charities have just focused on the larger donors now. And then COVID-19 changed everything about a lot of organizations' fundraising models and how they reach donors, how they engage them. And more the charitable sector is learning that you have to target and reach individual audiences. Donors tend to be tech savvy, especially younger ones. Edelman survey found that 25% of affluent millennials hold or use cryptocurrency, and 31% are interested in using it. And 74% say technological innovations like blockchain make the global financial system more secure. And cryptocurrency donations are already a reality. Fidelity Charitable, which is a donor-advised fund here in the United States, has already received over $100 million in cryptocurrency donations since 2015. So blockchain can help build trust. It can do this through its better data encryption, the fact that it has no centralized database, and I'll talk to you about that in a second. It gives donors more control over their data because it sets up peer-to-peer relationships directly between the donor and the charity. And then you can use it for rewards and gamification like we did for our platform. So what is blockchain? Forget everything you know. It can be very confusing, but just think of it as software. A way that keeps track of information. The way it does it is interesting. You know, the normal model is that there's a centralized database that everybody draws from. There's also decentralized databases that have, you know, multiple nodes of information. But what a distributed blockchain does is it allows each individual to interface with every other node on the blockchain, and it stores data and information on each of those computers. Each one of these individual points is both an access point and a way of ensuring deeper encryption. I'll show you first a little video about our GiveSafely platform. Do you worry that the charities you're giving to are trustworthy? Do you worry about your personal information being sold, stolen, or used inappropriately? Do you want to get rewarded for giving and sharing your data and connect with causes you care about? GiveSafely.io allows you to find a cause and charity, give safely, and get rewarded. When making a donation, you decide what personal information you share. It's secured by blockchain encryption. You get rewarded with giving points you can use for fun experiences, like a conversation or AMA, Ask Me Anything,
with a charity staff member on what their work is like day to day. All charities listed are trustworthy. They meet the 20 BBB standards for charity accountability. GiveSafely.io doesn't have access to any of your personal data or donations and doesn't take a transaction fee. For more information, visit GiveSafely.io. A little bit about the platform. As you heard, for charities, there's no charge to participate. We don't take any transaction fees because both the data and the cryptocurrency donations go directly from the donor to the charity. They never stop in our database. We don't have a centralized database. And we also use this as a way to introduce the charities in our country, our accredited charities, to blockchain technology and cryptocurrency donations, a new way of giving and receiving funds. For donors, they like, as you heard, you know, to be able to give safely, control their data. They like the reward experiences and the ability to engage with causes and charities. When you sign up, the only information you provide is a username. Again, we don't save any information on our servers. It all goes to the blockchain. So when you sign up, you receive an account key that is basically your platform password, and it allows you to save your information onto the blockchain and ensure encryption and the safeguarding of your information. You can look at different charity profiles. You can choose one, read about them. You can see their accreditation with us, visit their website. And then when you're donating, you have to provide your name and email address. And then each additional piece of information that you share earns you a giving point. As you can see, there's a lot of demographic information that's valuable for charities that will earn you more and more giving points the more you give. Then you can donate via cryptocurrency or PayPal. And once you receive your giving points, you can redeem them for experiences with charities. So a conversation with a charity, someone who works in the field, someone in the works in the organization that can explain to you how they got into that job and why they care about it. The charities have access to the donor data that was shared with them legitimately on the platform. They have to enter their account key to get on the blockchain and download the data. They can download it as CSV files and then use it to legitimately reach out to the donors. We also have a kind of a wiki charity resources page that explains cryptocurrency, donations, how to work on the platform, how to set up rewards, and everything else. So thank you very much for this opportunity to share our platform with you. And please reach out to me with any questions that you might have. My email address is ezra@givesafely.io. Thank you. Merci Ezra. Voilà, rendez-vous qui est pris. Vous avez son email, vous pouvez lui adresser toutes les questions sur cet exemple précis avec Give Safely. On va nous poser d'autres questions d'ailleurs avec vous, Fabrice. Si je suis la chaîne de blocs, si j'ose dire, ça permet évidemment de la transparence, de la responsabilité, mais ça oblige aussi à tenir en registre clair une blockchain pour le donateur comme pour le receveur, l'association en l'occurrence. Est-ce que ça veut dire, c'est un peu capillotracté, mais comme point de vue tech, on est déjà passé dans l'ère de la post-confiance? On est dans le début de l'ère de la post-confiance. Dans le monde des technologies, il y a deux technologies qui sont particulièrement intéressantes pour comprendre cette ère de la post-confiance. La première, on en parle depuis le début, c'est la blockchain, donc une transparence absolue et la capacité pour tout un chacun d'auditer des transactions financières, qui a donné quoi, combien a reçu l'UNICEF, de façon extrêmement précise. De l'autre côté, on a une autre grande technologie qui est l'un des fondamentaux aujourd'hui, hein, qui est bien plus importante encore que la blockchain, hein, en tout cas pour l'instant, qui est l'intelligence artificielle. Et ça, c'est l'extrême inverse. L'intelligence artificielle, enfin ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est en fait une sous-catégorie qui s'appelle le deep learning, ça consiste à faire auditer par un algorithme une quantité invraisemblable de données, souvent des données personnelles, de façon à ce qu'il repère des occurrences, des choses d'un point de vue mathématique, de façon à anticiper l'avenir. Et ça, par essence, ça n'est pas auditable. L'algorithme étant auto-apprenant, on n'est pas en mesure de savoir pourquoi l'algorithme prédit quelque chose, vu qu'il va le prédire sur la base de milliards de données qu'aucun esprit humain n'est capable d'appréhender. Donc on a d'un côté cette technologie de l'obscurité la plus totale, qui est l'intelligence artificielle, qui est vraiment derrière la plupart des technologies qu'on utilise au quotidien, de Facebook jusqu'à Amazon. Et de l'autre côté, cette technologie de la transparence absolue, qui est la blockchain, hein, qui est une technologie non pas de transparence et de confiance, mais de
qui est pensé pour faire des transactions, pas seulement financières, dans un monde dans lequel les acteurs ne se font pas confiance. Donc la blockchain est vraiment une technologie de la post-confiance, elle est prévue pour fonctionner dans un monde où personne ne se fait confiance. L'intelligence artificielle, très curieusement, est son pendant maléfique, on va dire. C'est une technologie totalement obscure, qui marche, c'est incontestable, qui marchera de mieux en mieux, mais qui est basée sur de la récolte de données qui est extrêmement obscure, on en parlait ensemble. Tous les intermédiaires qui permettent de récolter des fonds gardent jalousement les données et en font de l'intelligence artificielle, avec plus ou moins de succès, parce qu'il faut quand même en avoir beaucoup pour que ça marche. Et de l'autre côté, on voit poindre de façon de plus en plus massive cette technologie, la blockchain, utilisée pour tout et n'importe quoi. C'est l'essence de l'innovation. On en voit vraiment dans des secteurs où on se demande si elle est vraiment légitime. Et puis, on voit des pistes, typiquement l'utilisation au sein de la comptabilité des ONG, de façon à ce que moi, je puisse donner un bitcoin et de suivre jusqu'à ce qu'il soit dépensé sur le terrain, l'acheminement de mon bitcoin, de façon à déterminer très précisément qu'est-ce qui va dans des frais de fonctionnement, qu'est-ce qui va dans la chaîne matière première, qu'est-ce qui va dans des ressources humaines locales, des ressources humaines centralisées. Tout ça, le jour où vous serez totalement blockchainisé, c'est totalement jouable et c'est clair que ça incitera à la confiance. Et ça veut dire quoi, Antoine et Sébastien? Ça veut dire qu'il y a des moments où on a un peu l'impression, en tant qu'association, et quelles associations si j'ose dire, d'être les cobayes de certaines grandes entreprises du numérique. Je pense notamment par exemple au PNUD, qui a notamment reçu les faveurs de Palantir pour l'aider sur de la traçabilité logistique. Palantir qui est une entreprise tout à fait fascinante, je vois Fabrice quand je dis ça et on sait pourquoi. Mais c'est une entreprise tout à fait fascinante qui fait de la prédiction analytique avec des algorithmes surpuissants, mais qui peut très bien travailler pour des intentions totalement louables, comme peut-être un peu moins parfois, surtout moins. Pas beaucoup d'intentions louables, soyons honnêtes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois qu'il faut faire très attention avec les partenaires tech avec lesquels on travaille. Je pense que c'est un must. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de bon partenariat sans avoir vraiment vérifié avec qui on voulait travailler et dans quelles conditions on le fait. À l'UNICEF, on a eu vraiment une attention très très pointue sur tout type de partenariat avec n'importe quel type d'entreprise et on refuse beaucoup de partenariats. Il y a beaucoup de partenariats qui ne se font pas parce qu'on estime que les acteurs qu'on a en face de nous ne nous présentent pas toutes les garanties nous permettant de nous engager avec eux. Donc ça, pour moi, c'est clé. Toujours dans cette thématique de la confiance, quoi. C'est-à-dire, si on veut continuer à inspirer confiance à nos donateurs, au public, il faut qu'on soit très très précis sur ce qu'on s'autorise à faire et ce qu'on ne s'autorise pas à faire. Après, l'arroseur arrosé, c'est un peu le tiers de confiance défié. Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, effectivement, les baromètres prouvent que ça baisse, mais que les associations, c'est encore peut-être des acteurs en quels on a encore confiance et on espère que les gens ont encore plus confiance et donc on devient un peu courtisé pour ça, alors que effectivement s'associer avec une association qui a pignon sur rue et dont on pense qu'elle est bien sous tout rapport, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'acteurs, dans un monde avec beaucoup moins de confiance, ça a beaucoup de valeur. Donc, c'est un peu du cause washing. Il faut qu'on manie ça, nous, les associations, avec beaucoup beaucoup de parcimonie, beaucoup de discernement. C'est important. Qui pourrait établir ce référentiel de garantie que des startups ou des entreprises du numérique pourraient vous apporter pour vous accompagner sur ces projets? Est-ce que c'est un tiers de confiance, comme don confiancien par hasard, qui pourrait vous aider à établir ce référentiel, ou est-ce que vous en avez déjà défini un dans vos associations respectives? Antoine? Non, enfin, c'est un sujet extrêmement important, d'autant plus que ces mécanismes tentent en fait de faire croire à une absence d'intermédiation. Dans le système, on va dire classique, un donateur donnait de l'argent à une cause, à une association, qu'il déversait ou qu'il le donnait ou qu'il apportait à un bénéficiaire. Donc cette médiation-là était stratégique, puisque je suis donateur, je n'y connais rien, je donne des fonds à une structure en capacité, avec une expertise, d'effectuer en fait ce pourquoi elle m'a sollicité. Aujourd'hui, il y a aussi une aspiration à aller directement aux bénéficiaires, c'est-à-dire sans passer par cette intermédiation. Or, en faisant croire qu'il n'y a pas d'intermédiation, mais celui qui va vous solliciter ou qui va ouvrir une cagnotte ou qui va proposer en fait un sujet, une cause, un combat, est en lui-même un intermédiaire. Quelle est sa légitimité? Qu'est-ce qui va le, entre guillemets, le réguler, le contrôler? Pour l'instant, c'est le flou total. Alors, peut-être que la blockchain sera un moyen d'avoir ce traçage, et peut-être c'est la technologie qui le permettra, beaucoup plus peut-être que des instances
on va dire, éthico-responsable qui serait institué par le système pour mener ce contrôle qui, à mon avis, vu la foultitude d'initiatives, je crois que c'est surhumain. C'est quasiment impossible, à mon avis, qu'une intelligence artificielle, là aussi, a collé une blockchain solide qui permettrait effectivement d'assurer cette transmission et cette confiance. Alors, l'intelligence artificielle, certainement pas un facteur de confiance. Vraiment pas. Je pense qu'effectivement, on va venir vers un monde où il y aura des nouveaux types d'ONG qui seront des blockchains, pour simplifier. On va avoir des ONG qui arriveront à faire cette fameuse transformation digitale et qui se renouvelleront à travers la blockchain. Et puis, on aura des acteurs qui péricliteront parce qu'ils seront emportés par l'effondrement de la confiance. Il y a très clairement du côté de la blockchain des radeaux de sauvetage pour certaines ONG, des opportunités de cœur de jouvence pour d'autres et puis la possibilité pour de nouvelles d'arriver sur le marché et de proposer quelque chose de complètement radicalement nouveau, beaucoup plus impliquant certainement, à des donateurs. L'intelligence artificielle, vraiment, alors on revient sur Palantir, c'est le royaume de l'obscurité par essence. Donc, très concrètement, s'acoquiner avec une intelligence artificielle pour une ONG, c'est que nécessairement vous faites quelque chose qui a toutes les chances d'être très sale avec la donnée de vos donateurs ou des personnes auxquelles vous portez secours. C'est vraiment quelque chose avec lequel il faut prendre toutes les précautions d'usage. Évidemment, Palantir, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est une société à côté duquel Monsanto ou Microsoft auraient l'air de grands généreux donateurs. Ça va faire plaisir à Alex Karp, ton fondateur. C'est Alex Karp ou Peter Thiel, qui a été l'un des grands artisans de la victoire de Donald Trump. C'est vraiment c'est Voldemort. C'est effectivement très, très axé sur la récolte massive de données. Au départ, l'essentiel du business de Palantir, c'est la surveillance de masse des citoyens aux États-Unis et ailleurs. Très concrètement, mettre les doigts là-dedans, c'est vraiment suicidaire. Pour une ONG, vis-à-vis de sa confiance, c'est une mort assurée à court terme. Donc attention aux partenaires avec lesquels on mène ces projets. Si je reprends justement la formulation, ou la formule tout court d'ailleurs, du jumeau maléfique technologique que serait l'intelligence artificielle, algorithme, organisme d'audit, même combat, ou est-ce que, pour le dire très clairement, avec de l'algorithme poussé, des institutions comme Don Confiance ont vocation à disparaître à terme? Oui. Oui. Ça, c'est clair. Oui, bien sûr. Oui. À partir du moment où le truc est transparent, une blockchain, un petit utilitaire sur votre PC vous permet de lire la blockchain de façon assez simple si vous savez ce que vous êtes en train de lire. À terme, on va avoir une population qui sera beaucoup plus accoutumée à du wallet, à des transactions de crypto qui, pour l'instant, ne sont pas répandues dans le grand public. Mais entre l'arrivée de crypto-euro, l'engouement de plus en plus massif pour le Bitcoin ou pour d'autres crypto-monnaies, on va de toute façon arriver à une population qui sera beaucoup plus acculturée à ces technologies-là et qui, à partir de là, pourra les lire. Et il y aura forcément une relation de confiance dans la mesure où on ne peut pas faire plus transparent. Et encore une fois, c'est une technologie qui est pensée pour faire en sorte que je puisse avoir une transaction avec quelqu'un en qui je n'ai pas du tout confiance. Donc, c'est vraiment... il n'y a plus du tout besoin d'audit dans la mesure où un algorithme peut me dire très précisément qui a donné quoi à l'UNICEF. Et à terme, parce qu'a priori l'UNICEF est bien parti pour continuer à expérimenter, comment l'UNICEF a dépensé cet argent ou avec quoi. Et je pourrais remonter de l'argent que j'ai donné à l'UNICEF jusqu'à l'endroit quelque part dans un village en Afrique où cet argent a été dépensé. Ça, ça me rend totalement inutile toute espèce d'audit. Par ailleurs, les audits, alors je ne parle pas du tout du don de confiance, je pense plus aux Big Five, qui sont les grands cabinets d'audit, eux-mêmes ont un niveau de confiance qui est plus bas que terre et qui ne pourra pas changer. L'audit, la valeur d'un audit aujourd'hui d'un grand cabinet de conseil est surtout valable vis-à-vis des autorités fiscales, mais en dehors de ça, ça n'a pas grande valeur de nos jours. Enfin, je pense que quand même une structure comme le don en confiance ou les équipes. J'étais plus sur McKinsey que sur le don en confiance. Auront probablement une fonction peut-être de superstructure pour peut-être insuffler ou mener une réflexion éthico-responsable sur ces questions et sur ces modèles. Mais je crois qu'effectivement, l'audit et la mécanique de vérification, elle va être complètement automatisée. Oui. Parce que typiquement, les dons en confiance, ça a d'énormes questions à se poser sur sa relation aux technologies, comment aborder cette transformation digitale. De la même façon que typiquement, les institutions financières se sont posées des questions vis-à-vis de la blockchain
Et les grandes banques américaines, au début, étaient très réticentes vis-à-vis du Bitcoin. Aujourd'hui, ont intégré le Bitcoin et d'autres cryptocurrencies dans des outils d'investissement. Et les grandes banques centrales, qui étaient extrêmement frileuses il y a encore quelques années, aujourd'hui se mettent toutes à lancer le yen crypto, l'euro crypto, le dollar crypto. Et donc, ont compris qu'elles n'avaient pas les moyens, alors que c'est quand même des banques centrales, d'aller à l'encontre de ces technologies-là. Il faut dire qu'il y a un exemple très célèbre, hein, qui sont les maisons de disques, hein, qui sont allées à l'encontre d'une technologie qui est, sans être similaire, finalement à présenter les mêmes caractéristiques de disruption, qui sont le peer-to-peer et puis la compression apportée par le MP3, le tout étant des technologies libres, et qu'elles ont disparu. En voulant affronter ces technologies-là, elles ont disparu. Aujourd'hui, tout est passé chez les GAFAM. La seule raison d'être de Spotify, hein, c'est justement d'être une alternative aux GAFAM, mais vraiment, les maisons de disques en tant que telles ont littéralement disparu. Follow the money, mais follow l'usage surtout. Tout à fait. Donc l'avenir de ces organismes tels que le Don Confiance, c'est vraiment de se poser de très sérieuses questions face à ces technologies-là et de se dire comment est-ce que je vais pouvoir y survivre et en tirer parti. On retourne la question à Sébastien et après on prendra vos questions, vos interrogations parce qu'elles arrivent énormément sur la plateforme. Moi, je vais simplement aller dans le même sens, hein, pour dire que si on se pose la question, par exemple, du rôle du don en confiance ou du don en post-confiance, comme on disait tout à l'heure, clairement, le rôle d'audit, de contrôle, certainement, il pourra être fait différemment. Et ça, ce n'est pas tout de suite. Hein, il y a encore de la place pour aller jusqu'à ce scénario qui est peut-être dans 20 ans, 30 ans, mais on ne sait pas. Peut-être que c'est que dans 5 ou 10 et il faut peut-être s'y préparer un peu plus. Je pense qu'il y a pour le don en confiance qui est collectivement constitué par plein d'associations, c'est plutôt aussi le fait d'être, comme disait, alors j'aime pas trop moi le mot superstructure, mais bon, disons un espèce d'étendard de ce qu'est l'éthique, la transparence. Mm-hmm. Le don en confiance joue ce rôle-là de valeur un peu morale. Et algorithme ou pas algorithme, il faudra quand même qu'il y ait quelque chose derrière. Certes, la tâche de contrôle en tant que telle, elle peut être blockchainisée, peut-être. Mais le fait de se réunir en tant qu'acteur et d'apporter des garanties éthiques, de bon fonctionnement, etc., ça reste un rôle, à mon avis, qui est clé dans un monde de la confiance un peu ébranlée. Je pense qu'on a encore besoin de ça et on en a encore besoin pour très longtemps. Et après, effectivement, je préférerais que ce soit le don en confiance qui réunisse tous les acteurs de la solidarité et qui les mette autour de la table pour envisager ces mutations potentiellement drastiques de notre secteur. C'est possible, hein, que dans 5 ans, comme disait Fabrice, je ne sais pas, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est possible que dans 5 ans, si on n'est pas capable de montrer la traçabilité d'un euro de là jusqu'à là, on disparaît. C'est possible. Et je préférerais que ce soit le don en confiance qui mène cette réflexion pour nous amener à ça, plutôt que ce soit d'autres acteurs qu'on a mentionnés aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à, très concrètement, comment est-ce que je suis un bitcoin du don jusqu'à sa dépense. Il y a beaucoup, beaucoup de travail encore à faire et ça laisse un champ absolument fantastique à des startups ou à des entités qui viennent du monde d'avant et qui se saisiraient de ce problème-là et qui, vraisemblablement, travailleraient avec des startups sur ces problèmes-là. Donc, est-ce que c'est dans 20 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? En tout cas, ça va arriver. Et vu la quantité de travail à faire, il y a des opportunités, ça c'est certain. Moi, je prends une opportunité, c'est celle d'aller vers les questions, justement, et les réactions de notre public aujourd'hui. On va prendre cette première question. Est-on sorti de la pensée magique sur les outils comme dans une phase infantile? Waouh, quelle question! L'avenir n'est-il pas de s'inscrire dans le temps long qui mènera à la maturité dans le maniement des outils mis à disposition? C'est de l'ordre de l'urgence politique. Est-ce que ça vous inspire, messieurs? Il n'y a pas vraiment de question là. Hein, non, c'est plutôt une interprétation du débat. C'est votre spectateur met le doigt sur effectivement une rupture qui est très récente, hein, qui est la pensée magique de la Startup Nation, où à partir du moment où c'est de la technologie, c'est bien, mangez-en, à une phase d'extrême méfiance, dont d'ailleurs l'Institut Pasteur qui nous a précédés sur ce plateau a fait les frais, où à partir du moment où il y a de la technologie, eh ben, on va vous injecter des nanoparticules à travers un vaccin qui vont prendre le contrôle de votre cerveau. Il y a différentes versions de tout ça qui sont plus ou moins flippantes, mais qui toutes partent de ce flip que je partage, pour le coup, vis-à-vis des technologies. Après, pour 100 personnes qui sont terrifiées par les technologies, il y en a une ou deux dans mon genre qui comprennent pourquoi. Les autres se contentent d'être terrifiées. Elles ont raison, totalement raison d'être terrifiées. Et c'est un grand changement dans notre appréhension des technologies, particulièrement sur le continent européen.
parce qu'on se rend compte qu'effectivement on est dans une situation de colonisation, que la colonisation, on est bien placé pour savoir ce que c'est en Europe, et on est très bien placé pour savoir comment se faire la répartition du gâteau une fois qu'on est colonisé. Donc on est déjà colonisé, on est dans cette phase de répartition du gâteau, et très concrètement, on peut s'attendre à un effondrement du niveau économique du continent européen du fait qu'il a tout simplement raté la révolution digitale, que le retard n'est pas rattrapable, il se compte en deux générations. Le décrochage de la révolution digitale que la France n'a jamais pris, il date de Valéry Giscard d'Estaing. Donc il date d'une époque où moi-même, j'étais même pas adolescent, j'étais enfant. C'est autant dire que ça ne se rattrapera pas. Que Louis Pouzin vous entende. Tout à fait. C'est vraiment Louis est vraiment l'archétype de ce ratage. Il est le symbole de ce ratage. Pour ceux qui ne connaissent pas Louis Pouzin, c'est la personne qui a inventé ce qu'on, grosso modo, TCP/IP, qui est la base de la base d'Internet. Et plutôt que d'en tirer parti et de développer ça en France et en Europe, on a laissé ça aux Américains. On a fait la même chose avec le web, qui a été inventé en Suisse, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Et pareil, on a laissé se développer ça aux États-Unis. Donc on n'est pas en mesure, on ne rattrapera jamais ce retard qui est bien trop grand pour être rattrapé. On est aujourd'hui une colonie numérique des États-Unis. Il y a des alternatives du côté de l'Ucelline, mais comme toute forme de décolonisation, le coût sera considérable. Mais pour l'instant, on prend la voie de coloniser docile, et qui vont très concrètement donner leur matière première aux colons. Ça va avoir un impact économique colossal sur l'Europe, absolument colossal. Le continent européen, ce que tout un tas de penseurs, notamment Jacques Attali, ont déjà prévu depuis belle lurette, va s'effondrer d'un point de vue économique, et il va falloir que nous, on survive dans cet état de fait. Donc, comment on va faire, c'est encore toute une discussion, mais encore une fois, pour revenir à la question de votre auditeur, il a parfaitement raison, on a une rupture totale de confiance avec les technologies, essentiellement du fait d'une technologie qui est l'intelligence artificielle, qui est ce qu'on met derrière Facebook, ce qu'on met derrière le fameux Health Data Hub de Microsoft qui vient récupérer nos données de santé pour revenir avec des produits financiers qui vont remplacer très concrètement votre sécurité sociale demain. Et pour traduire ça aussi en termes clairs, c'est une véritable question de souveraineté des données. Alors, la souveraineté de données, sachant que c'est fini. La donnée de santé est, en l'occurrence, de la nitroglycérine parmi toutes les typologies de données. Oui, oui, c'est probablement celle qui est le plus réceptacle d'angoisse. Et malheureusement, le grand public se cristallise cette angoisse sur des histoires un peu fantaisistes de nanoparticules, de Bill Gates. Alors, Bill Gates, on n'est pas loin du problème, il est juste à côté, il s'appelle Microsoft. Mais malheureusement, la façon dont le grand public se saisit de ça, et risible pour les gens qui comprennent la technologie, mais il y a vraiment toutes les raisons de s'angoisser et toutes les raisons d'imaginer le pire. Oui, parce que si on arrive en effet à avoir des gens qui aujourd'hui peuvent adhérer à ce type de thèse qu'on qualifie de complotiste, ça veut dire qu'on n'a pas su faire de la pédagogie en matière de tech de notre société. Ah non, ce n'est pas du tout une question de pédagogie, c'est une question de trahison des élites qui ont laissé partir, qui ont vendu la France à des GAFAM en parfaite connaissance de cause, et qui savent pertinemment, parce qu'à défaut de comprendre les technologies, elles comprennent les grands principes économiques qui sont derrière, et qui savent pertinemment qu'on est en voie de ubérisation, amazonification du continent européen, et que très concrètement, demain, l'essentiel de vos produits financiers, typiquement d'assurance, seront fournis par des GAFAM et seront individualisés en fonction de vos données personnelles. Et donc très concrètement, si on prend l'assurance santé, c'est une rupture fondamentale d'un principe qui jusqu'ici prévalait, qui était la solidarité. À partir du moment où il y a l'individualisation, il n'y a plus de solidarité. Et ça, c'est la résultante directe de, du contrat du Health Data Hub, je reviens dessus parce que c'est mon obsession du moment, où on a donné nos données de santé à Microsoft qui va les utiliser avec des intelligences artificielles pour revenir vers nous en nous proposant de l'individualisation là où auparavant il y avait de la solidarité. Allez, on prend une dernière question pour mettre un point d'orgue, si je veux dire, à cette discussion. Avec la dématérialisation du don, on encourage la volatilité des donateurs pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Les OBSL, si elles ne veulent pas subir, je suis désolée pour cet acronyme que j'ai sûrement très mal lu, si elles ne veulent pas subir cette évolution, ont tout intérêt à travailler ensemble avec les organismes de régulation et de contrôle. Comment rendre cela possible? Est-ce que quelqu'un peut me décoder OBSL? C'est OSBL. OSBL, Organisation sans but lucratif. Donc c'était bien ça, j'arrivais pas à le dire. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Évidemment. Est-ce qu'on peut réafficher remettez la question. Mais évidemment qu'on va saupoudrer, puisqu'on est tellement sollicité par tout un tas d'émetteurs de messages qui étaient précédemment beaucoup plus cernés. Aujourd'hui,
ça arrive de tous les côtés, ça arrive même à l'international, il y a des transfrontières qui commencent à se mettre en place en termes de levée de fonds, et évidemment que c'est une capacité à zapper, à choisir des objets, à choisir des projets, à choisir des causes qui va devenir très dispersée. On va être en réaction, on parlait tout à l'heure d'émotion, une émotion va déclencher un don pour telle cause, une autre émotion pour telle autre cause, effectivement. Alors, quelque chose qui est quand même rassurant, c'est qu'au moment où on dit ça, on explique qu'en France, plus de 30 ou 40% des dons sont faits par prélèvement automatique. Donc du coup, il y a une espèce de stabilité d'un socle, mais néanmoins, on est quand même vraiment exposé à cette volatilité tous azimuts. Moi, je suis d'accord avec ça, et c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'on voit déjà des donateurs qui changent de cause, par exemple, tous les ans. Ça existe depuis longtemps. Des donateurs qui donnent à plusieurs associations aussi. Ça existe aussi depuis longtemps. Et après, effectivement, pour aller dans le sens inverse, il y a beaucoup de donateurs qui réagissent à cette multitude d'offres et à cette multitude de sollicitations en se choisissant un acteur préférentiel. Nous, c'est vrai qu'on essaye de favoriser ça, sans aucun doute. Donc, la stratégie de beaucoup d'associations, c'est d'être sur du don régulier. Et donc, effectivement, aujourd'hui, une grosse partie des dons qu'on reçoit sont des dons réguliers de donateurs qui sont extrêmement fidèles, pour le coup, et qui vont donner pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans pour certains d'entre eux. Et je pense que c'est un peu en réaction à ça. C'est-à-dire que le trop-plein d'informations fait qu'au bout d'un moment, il faut choisir, quoi. C'est un peu comme vous parlez à des gens qui vous disent « Non, moi, je regarde plus les chaînes d'infos en continu et je regarde les news seulement une fois par jour sur tel site parce que j'ai choisi, c'est celui-là. » Et il y a cette espèce d'hygiène de l'utilisation des données qui est en train de se mettre en place, qu'on vit tous d'une certaine manière. On se dit « Bon, voilà, je fais mon tour d'horizon, je choisis les acteurs de confiance, les gens que je veux écouter, les gens que je veux croire, et puis après, je me tiens à cet environnement plus stable et plus sécurisant pour moi. » Merci infiniment, messieurs, pour vos perspectives, pour vos réponses, pour cet échange d'idées. Merci à vous pour vos questions et vos réactions. Et on va enchaîner sur un dernier débat aujourd'hui qui aurait pu être aussi l'objet d'une question ici sur ce premier plateau de l'après-midi. Transparence et efficacité à tout prix, facteur de progrès ou dérive consumériste? Je vous laisse réfléchir à cette question. Avant justement de rejoindre le plateau du deuxième débat, on va écouter une interview très rapide à nouveau avec Antoine Ziegermann. Vous vous souvenez, Antoine, ce matin, de l'Institut Via Voice, nous a présenté les premiers enseignements de l'étude de l'Observatoire du don en confiance. Voici d'autres données et d'autres informations qui sont issues justement des questionnements sur la transparence notamment et sur ce contexte si particulier de l'année 2020.